الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. Mes chers frères musulmans, nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, notre khutbah d'aujourd'hui, c'était la tranquillité des cœurs, de vivre dans ces bas mondes, dans les tranquillités, de vivre dans ces bas mondes, dans la paix, avec la tranquillité des cœurs. Donc, c'est ce que tout le monde recherche, soit un musulman, soit non musulman. C'est ce que tout le monde veut vivre dans la paix. Donc, mes chers frères musulmans, cette paix-là, cette tranquillité de cœur-là, et tout le monde cherche à l'avoir. Mais chacun d'entre nous cherche à sa manière. Il y en a qui pensent que si tu as l'argent, tu vas avoir le bonheur, tu vas avoir la tranquillité de cœur. Il y en a qui pensent que avoir des enfants ou à s'en occuper de l'avenir des enfants ou avoir des places, les gens courir derrière toi, c'est en ce moment que tu vas avoir la tranquillité dans ce bas monde. Mes chers frères musulmans, tout ce que nous venons de citer, ça fait le contraire s'il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Tu cherches l'argent pour avoir le bonheur, en oubliant toutes les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, en négligeant la prière, en négligeant toute sorte d'adoration. Les moments où les gens s'en occupent à Allah, toi tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps. Tu ne veux pas venir se mélanger avec les pauvres, avec les miskines, dans les mosquées, ou lier des waz, d'écouter Allah, parce que tu es mieux qu'eux. Parce que tu ne veux pas être mélangé avec les gens que tu es mieux qu'eux. Car il faut savoir, le bonheur que tu cherches, tu n'auras pas. Et c'est lui qui bafouille tout. Il abandonne même toute sa famille à cause des enfants, à cause de l'avenir des enfants, en pensant que je prépare l'avenir des enfants là pour être heureux dans ce bas monde là. Mes chers frères, sache que en oubliant tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, ça fait le contraire. Tout ce que nous avons cité là, ça fait le contraire. Le contraire du bonheur, c'est quoi? C'est d'être, c'est de ne pas avoir bonheur, on peut dire comme ça. C'est-à-dire, c'est de ne pas avoir la tranquillité dans le cœur. Avoir le bonheur dans ce bas monde, avoir la tranquillité, la paix dans ce bas monde-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans un seul ayah. Il dit quoi? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. C'est lui qui s'éloigne ou c'est lui qui néglige ma recommandation, mes dhikr, mes évocations. Il y aura une vie compliquée, une vie gênant, une vie gâchée. Mes chers frères musulmans, tu vas chercher où le bonheur? Si toi tu veux le bonheur, donc en cherchant l'argent, tu vas aller voir? Ou en cherchant ces bas mondes? Non. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, c'est lui qui laisse l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura une vie gâchée. Ça veut dire que si c'est lui qui s'en occupe aussi, il aura une meilleure vie. C'est le contraire. C'est lui qui s'en occupe aussi. Allah, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, il fait. Il y aura une meilleure vie. Dans les ayats, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et ce n'est pas fini. C'est lui qui néglige la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura une vie gâchée. Et yawm al-akhira, il sera réveillé aveuglement. Et ce n'est pas fini. Il va demander à Allah, pourquoi je suis réveillé aveuglement, surtout alors que dans ce bas monde, je voyais tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu te fais oublier notre recommandation dans ce bas monde-là. Et ce jour-ci aussi, nous allons oublier à toi aussi. Donc, mes chers frères musulmans, c'est bonheur que nous cherchons, sachant que ce n'est pas l'argent qui donne ni les enfants, ni les biens de ce bas monde-là. C'est en donnant à Allah, en tout confiant à Allah, en faisant tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, c'est là où on va avoir ce bonheur-là, cette tranquillité de cœur-là. Vous avez vu les pays occidentaux que nous-mêmes, on a des complexes, on a même des rêves d'aller là-bas. Tout le monde, il y a des gens qui se tuent sur les mers pour aller là-bas. Ceux qui ont des moyens prennent leur visa d'aller passer le temps parce qu'ils pensent que là-bas, c'est la meilleure vie. Là-bas, c'est encore mieux que là où nous sommes. Ils ont tout, non? Ils ont tout, ils s'habillent comme ils veulent, ils font comme ils veulent. Personne ne peut pas les interdire de ce qu'ils font. Mais est-ce que la tranquillité de cœur là, il y en a?
Et ce qu'est la tranquillité de Kerala, il y en a. Les suicidations, les gens qui se suicident dans le monde là, c'est là-bas qu'il y en a beaucoup. C'est là-bas qu'il y en a beaucoup. Vous allez voir, les maris tuent l'autre là, sa femme. La femme tue les maris à cause des problèmes. Tu vas voir des millionnaires, ils se réveillent un bon matin, ils partent se suicider. Il a tout. Il a toutes les fortunes, mais il n'y a pas de tranquillité de cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas Dieu, il n'y aura pas de tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les ayahs. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu as les 7 médicaments-là. Il ne faut pas avoir le complexe avec celui qui a beaucoup d'argent. Ça ne fait pas de bonheur. Le bonheur, c'est celui qui, son équipe, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين